Donc cette victoire vous fait du bien, peut-être la monter au bout, en espérant. Elle était indispensable pour continuer à rêver. Rien n'est acquis, il faut aller chercher un nul à Mordel. Chercher minimum le nul à Mordel. Voilà, c'est ça. Sachant qu'Esquanen vient d'accumuler deux défaites à suivre face à deux belles équipes. Tout à fait. Bah après, nous, l'idée, c'était qu'on n'avait battu ni Monterfil, ni Esquanen, pardon, ni Guipry. Et Esquanen avait fait la même chose. Ils nous avaient pas battus, ils n'avaient pas battu Guipry. Donc c'était un match décisif, c'était une finale. Et nous, on avait à cœur de l'emporter face à notre public pour espérer et puis pour repasser en bonne position. Donc maintenant, c'est ce qu'il nous reste à faire, c'est aller chercher un nul minimum à Mordel, mais on ira pour gagner et puis fêter la victoire, la montée là-bas, en espérant que vous jouez en avant à 13h30 à Mordel. C'est ça. Vous venez, vous allez peut-être fêter la victoire avec peut-être le maintien de l'équipe B si... Bah on attend, on espère, je ne sais pas ce qu'ils ont fait. On sait déjà, d'ores et déjà, qu'il y a eu une bonne dynamique au sein des équipes seniors de l'USAI, puisque notre équipe C est championne. Donc ça, c'est vraiment aussi un bon point pour toutes nos équipes seniors. L'équipe B va... Voilà, l'objectif, c'était le maintien. J'espère qu'elle va l'obtenir aujourd'hui. Et puis, voilà, ce qu'on attend tous, c'est la montée en PH. Donc il faudra encore nous soutenir parce qu'il ne faut pas croire que c'est fait. Il faut aller la chercher. Mais là, on est lancé. Donc je pense que plus rien peut nous arriver. On est lancé. Le public nous suit. Donc ça, c'est... Je remercie le public, les bénévoles du club, les jeunes qui nous ont soutenus. Il y avait des banderoles. Il y avait vraiment un club qui a... Voilà, c'est peut-être le début d'une belle aventure à l'USAI, on espère. Est-ce qu'il y a un avenir des nouveaux joueurs, peut-être en liste pour l'année prochaine ou des départs? Bah, pour l'instant, tant que la montée n'est pas acquise mathématiquement, on ne peut pas trop savoir. Tout dépendra de la montée en PH. Bien entendu que si on monte en PH, on a une liste de joueurs déjà pour venir, donc après c'est... Vous avez quelques noms? Voilà, pour l'instant je dis rien parce que déjà il faut... La première étape c'est que l'on monte, donc c'est pas fait, hein. Je vous répète, c'est pas fait, il faut aller chercher ce nul à Mordel. Maintenant on n'a pas le droit de lâcher, et après le match de Mordel la semaine prochaine on pourra commencer à donner des noms. D'accord. Et déjà le premier recrutement sera de garder tous nos joueurs parce qu'on a vraiment une belle équipe. D'accord, bonjour, merci Cyril. Merci.